Voyage en musique. Françoise Nieri. Et Geoffroy Scrive. Françoise Néry, vous êtes professeur d'alto au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Vous avez été également professeur d'alto au CNSM, puisque c'est l'abréviation de Lyon. Vous, avez, vous êtes passé de l'un à l'autre. Vous êtes brestoise d'origine. Pour nous qui réalisons cette émission, sur une antenne radio finistérienne. Mm. Vous dirigez différents ensembles, ou on pourra citer le Fractal, avec lequel vous jouez à Sanary depuis plusieurs étés. De combien de temps cela fait-il maintenant que ce Fractal existe 9 ans. 9 ans. Mm. Donc, euh, avec une partie d'administratif mm. et puis bien sûr, des concerts donnés l'été, avec souvent des jeunes musiciens qui sortent sans doute du Conservatoire de, de Lyon ou de Paris, oui. ou, ou d'ailleurs. Et vous donnez également des stages, des masterclass, notamment à ourtin près de Bordeaux. Et puis j'ai eu la chance moi-même de participer à l'un d'eux à la ferme de Villefavard. C'est un endroit magnifique. Aujourd'hui donc, vous voilà la professeure d'alto au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Première question toute simple, pourquoi avoir tenté le concours de passer de Lyon à Paris Alors, donc c'est Conservatoire national supérieur national, de Paris, oui. hein, voilà, et de musique et de danse. En fait, j'ai toujours habité à Paris. Donc je faisais les voyages, je faisais les voyages Paris-Lyon et euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé mon expérience au CNSM de Lyon, qui est une maison foisonnante d'idées et de, où, les, où les enseignants sont extrêmement investis dans la vie de la maison. Mais c'est vrai que les voyages, euh, au bout d'un moment, ça finit par être pesant. Et c'est vrai que le poste que j'ai obtenu, c'est le poste de qu'occupait Sabine Toutain, qui s'est arrêté un petit peu plus tôt que prévu. Donc c'était une surprise. Je ne pensais pas qu'il y aurait de poste. Et je pensais finir ma carrière euh, à Lyon. Et euh, j'ai beaucoup hésité à le, à le passer parce que vraiment, j'étais heureuse à Lyon. Je m'épanouissais. Mais une petite un petit accident personnel a, je me suis cassé le tendon d'Achille il y a trois ans ouais. et c'est vrai que c'est une blessure qui vous qui vous pèse après on la sent on la sent toujours et c'est vrai qu'après ça les voyages ont commencé à me fatiguer donc quand ce poste s'est ouvert ben, J'ai beaucoup hésité, je me suis inscrite à la dernière seconde. Si vous saviez comment je me suis inscrite, vous rigoleriez. Expliquez-nous, expliquez, expliquez ben, si c'est possible. Je me suis inscrite, désinscrite, inscrite, désinscrite toute la dernière journée parce que je, je modifiais euh, ma lettre de motivation, oh. mon CV, enfin je modifiais tout. Et à minuit moins cinq, je finis par m'inscrire euh, définitivement et je reçois un accusé de réception, vous êtes bien inscrite en, en analyse musicale. Donc analyse musicale et alto, c'est l'un en dessous de l'autre dans un, oui. dans un site. Et donc, je, cinq minutes avant la clôture des inscriptions, je m'aperçois que c'est pas, j'ai pas fait <laughs> le bon truc. Donc, je finis, je rectifie. Et je vérifie pas si j'ai un accusé de réception. Bon, donc voilà, j'ai fini ma... <laughs> et trois semaines après, je me dis quand même, j'ai pas vu mon accusé de réception, je vais le chercher, et je ne le trouve pas. Alors, ah, soit oui. je l'ai effacé, soit je ne sais pas. Donc je pense qu'il y a eu un bug, que je ne suis pas inscrite. Et du coup, pendant les, les quelques semaines d'attente pour savoir si j'étais présélectionnée, parce que ces concours se font en deux temps, oui. une présélection... Bon, J'ai pas du tout stressé. J'ai cru que j'étais pas inscrite. Je me suis dit c'est le destin, voilà. Et finalement j'étais présélectionnée, donc l'inscription avait marché. Et voilà. Donc ça. Et comment se passe le concours ah ben, Après le concours, c'est euh, on a un certain un timing pour donner deux cours, un cours à quelqu'un qui se trouve dans la première partie du cursus en, en licence et un cours à quelqu'un qui est en master ou en troisième cycle, deuxième ou troisième cycle, et puis après un entretien. Donc c'est deux fois 20 minutes plus une vingtaine de minutes aussi d'entretien. Savez-vous ce qui peut faire la différence à ce niveau-là entre les candidats, qui sont tous, qui étaient tous excellents euh, Eh bien, peut-être c'est alors bon, moi dans mon cas, c'est sûr que l'expérience a beaucoup joué. Euh, C'est très... Oui. Ouais. très court, 20 minutes pour ouais. enseigner, donc il faut pas faire tout à fait comme d'habitude, il faut dégager des points très précis, faire travailler des points très précis, pas s'embourber, si je puis dire, dans dans un gros problème technique s'il y en a un, parce qu'on a du mal à le résoudre en 20 minutes. Donc il faut arriver à, à cibler quelques endroits des pièces présentées, arriver à montrer aussi et à arriver à apporter des solutions. Alors il se trouve que j'ai eu des élèves très réactifs. Et puis je m'étais préparée aussi. Euh, bon, j'avais, j'avais été aussi dans les jurys de ces concours. Donc à Lyon, j'avais participé à certains jurys de sélection. Pour, donc je voyais aussi, j'avais vu ce qui pouvait être efficace et ne pas l'être. Donc bon, c'est l'expérience de voilà. Et les planètes étaient alignées, on va dire. Et rapidement, vous savez que vous ne vous êtes pas trompé dans les premiers cours que vous donnez ici, à Paris? Ah, euh, pas trompé dans mon choix? Oui. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, ça me change la vie. D'abord, les voyages, euh, voilà. Puis la maison est quand même fabuleuse. Euh, c'est une très grande maison. Comme vous savez, en France, les choses sont encore très centralisées. Donc, Lyon est une maison extraordinaire, mais qui a hélas moins de moyens d'ailleurs, je trouve que nos tutelles devraient s'intéresser à ça davantage et aider un peu la deuxième maison supérieure de musique et de danse, pardon. Donc c'est vrai que les moyens ici sont beaucoup plus gros. La maison est beaucoup plus grosse. Du fait de la taille, c'est vrai peut-être qu'on a moins de contact avec les autres enseignants. Puis l'administration ici est beaucoup plus grosse aussi, donc mmh. les, les profs ont, ont moins besoin de prendre à bras le corps certaines choses. Non, non, je, je ça n'est que positif. J'ai une super classe. Il se trouve que j'ai cinq premières années cette année puisque c'est ma première année en fait. Oui, je viens d'être nommée. Ça. Donc j'ai fait le choix de prendre beaucoup de premières années et euh, ça se passe plutôt, plutôt très bien. Oui. Les élèves ont, ont, quel, ont quel âge en moyenne? Oh, ben entre 19 et 26, 25, 25, par là, oui. Beaucoup d'étrangers Alors là, en ce moment, non. Ah oui. Mais ça peut se trouver. Ça peut arriver. Mais là, quand je suis arrivée, il n'y en avait pas. Et puis, les premières années qui se sont présentées. Ah si, pardon, je vous dis une bêtise. J'ai un russe. J'ai un petit russe. Très sympa, d'ailleurs. Et comment arrive-t-il, si vous participez, j'imagine, au concours d'entrée pour les élèves? Alors, on peut participer en tant que prof, mais il ne faut pas soi-même présenter d'étudiants. Donc, comme je suis encore oui. prof au CRR de Paris, j'ai quand même quelques étudiants ah, qui oui. se présentent. Donc, je ne suis pas au jury pour le moment. D'accord, mmh. mais ça viendra sans doute. Peut-être. On peut imaginer. Non, peut -être, peut -être. Euh, quelles sont leurs aspirations quand, quand ils arrivent ici Parce qu'on on dit souvent, mmh. en, en galvaudant un peu, que les CNSM prennent euh, des candidats qui ont déjà le niveau de la sortie. Donc, ne euh... oh, faut pas exagérer. Euh, c'est vrai que le concours est très sélectif. Oui. Leurs aspirations, c'est évidemment de, de trouver un travail. Alors Beaucoup veulent rentrer dans les orchestres actuellement, parce que, comme vous le savez... Le métier euh, ne va pas en s'élargissant, en mmh. c'est de plus en plus dur, il y a de moins en moins de moyens. Donc je refais un petit appel à nos tutelles. <laughs> la culture c'est très très important et la musique c'est aussi très très important. Certains neuroscientifiques euh, disent que la musique aurait préexisté au langage mmh. et donc euh, c'est très structurant pour les enfants, pour les. Euh, les donc j'encourage je, les tutelles à mettre de l'argent euh, pour la musique. Voilà, que dire Donc le métier n'allant pas en s'élargissant. Évidemment, ils, ils souhaitent tous s'assurer un poste, soit dans un orchestre, soit prof. Alors après, moi, ce que je leur conseille, c'est de, de travailler beaucoup quand ils sont en études, pour de sortir le plus fort possible et le plus avec le plus de compétences possible. C'est-à-dire toucher un peu à tous les styles, toucher à, à la musique baroque. Moi, ouais. Ici, ce que j'ai trouvé super, c'est que je suis allée à, à, voir le parc instrumental et je suis revenue avec une valise d'archets baroques classiques de toutes époques et je vais le refaire pour faire essayer à mes étudiants, mmh. essayer qui, qui palpe un peu ça, leur donner le goût en tout cas d'aller explorer ces répertoires, d'éventuellement rester sur instrument moderne mais de, de s'inspirer des styles et des découvertes qu'il y a eu dans, depuis 20-30 ans. Euh, la musique contemporaine aussi beaucoup et puis d'être le plus fort possible le plus comment dire adaptable possible à toutes les situations Et comment jugez-vous l'évolution de niveau des, bah, des orchestres, par exemple, en France. J'ai souvenir que vous m'aviez raconté une anecdote, vous jouiez en opéra, vous étiez à côté d'un vieil altiste qui euh, arrêtait de jouer quand ça montait un petit peu dans les, dans les notes aiguës avant de redescendre. Alors aujourd'hui, est-ce que cette anecdote euh, euh, se vérifie ou au contraire les niveaux d'orchestre euh, ont, ont, ont pas mal augmenté? Je pense que ça, ça s'est unifié, que ça a augmenté. Le, le... D'abord, les jeunes musiciens sont maintenant beaucoup plus préparés à une vie d'orchestre, à ce que c'est euh, travailler des pièces d'orchestre, et je pense que les orchestres se sont beaucoup entre guillemets euh, unifiés, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le bon mot, mais je pense que il y a moins de disparité, vous voulez dire? Euh, attendez. On reconnaît moins la facture de tel orchestre par rapport à tel autre dans un, le même enregistrement d'une pièce? Alors, pas vraiment. Je, non, c'est excessif. Je oui. pense que chaque orchestre garde sa personnalité. Mais je pense que le niveau moyen, il euh, y a beaucoup de jeunes instrumentrices qui sont très forts. Donc, il y, y en a beaucoup. Mmh. Donc, forcément, ça, ça rejaillit sur, oui, euh, sur, sur les le orchestres. Oui, sur le niveau global des orchestres. Mais bon, les orchestres étaient très très bons euh, quand même, euh, malgré cette, euh, <laughs> ce petit incident dont je vous avais parlé. <laughs> voilà. Et, et l'orchestre de l'Opéra a toujours été un très bel orchestre. C'est vrai que peut-être maintenant il est plus entre guillemets canalisé qu'à qu 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 l'époque où j'y étais, où il y avait beaucoup de, de personnalités un peu, un peu fantasques. Et on imagine qu'ici, porte de Pantin à Paris, où se trouve le conservatoire. La proximité de la Philharmonie doit faire rêver pas mal d'élèves. Oui, puis ce qui est super, c'est qu'ils ont. Ce qui est génial dans... ici, c'est qu'il y a énormément de soutien aux étudiants, énormément d'encouragement. Ils, peuvent... Ils ont pas mal de places gratuites pour, pour aller, euh, écouter, ou... pour 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 aller écouter les concerts. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des échanges. Alors moi, j'ai pas encore, euh, parce que c'est ma première année, mais peut-être euh, trouver des, des façons d'échanger avec la avec la Philharmonie directement. Enfin, je sais pas, je réfléchis à ça. Oh. <laughs> J'y vais doucement. Oui, oui, puis mmh. les orchestres de Radio France. Oui, un... oui, bien sûr, bien sûr. Et puis et puis il y a des académies d'orchestre qui se créé donc les étudiants ont envie de les faire. Il y en a une à l'Orchestre de Paris, il y en a une à l'Opéra de Paris, il y en a une à Radio France. Donc c'est un moyen pour les jeunes de s'immerger dans ce que sera leur milieu professionnel. Oui. Alors vous avez abordé le, le sujet de la diversité des répertoires que vous vouliez faire toucher oui. euh, au, à vos élèves. Euh, évidemment, on, bon, il est de notoriété publique que le répertoire d'Alto n'est pas immense, mmh. qu on quand on le compare même. au violon. Quand <laughs> même. Il y a quand même des choses. Même des des choses. Même, hein. euh, oui. Comment on arrive à euh, euh... Est-ce qu'il peut y avoir une lassitude au bout de décennies d'enseignement de voir les mêmes pièces arriver au point justement d'aller découvrir d'autres sphères, d'autres compositeurs Non, non, aucune lassitude, enfin pour ma part en tout cas, peut-être certains éprouvent une lassitude, mais d'abord il, il y a quand même des tas de répertoires un peu encore inconnus qu'on peut aller chercher. J'ai une amie, par exemple, canadienne qui avait réédité, qui a fait rééditer, qui a enregistré toutes les pièces de concours, parce qu'à une époque pour rentrer à Paris, un compositeur écrivait mmh, une pièce, oui. par exemple Enesco, Gobert, tout ça, et puis un tas d'autres, Busser. Donc ça, c'est des petites pièces. Elles ne sont pas toutes de la même qualité, mais ça vaut le coup d'aller les revisiter. Il y a tout, tout, tout un répertoire anglais qu'on n'avait pas trop abordé, euh, mmh. enfin que moi, quand j'étais étudiante, on n'abordait pas. Il y a pas mal de choses à découvrir quand même. Et puis il y a pas mal de transcriptions à faire, et en musique contemporaine, essayer même de susciter des créations. Bon, ça, je le fais dans mon groupe euh, Fractal, mais il y a beaucoup de compositeurs euh, du XXe et du XXIe siècle qui ont écrit pour l'alto, donc il y a quand même de quoi, de quoi diversifier. Et alors, pas de lassitude, parce que, évidemment, chaque étudiant est unique et différent. Donc les choses sont... Non, non, pas de lassitude. Est-ce qu'il y a des étudiants avec lesquels le, le, le métier d'enseignant est plus facile Est-ce que vous êtes tombé par exemple sur des élèves avec lesquels ça ne marchait pas, qui ne parvenaient pas à avancer comme vous, vous l'espériez Alors vous savez, vous savez que l'enseignement, c'est un, une... Enseigner ou transmettre, c'est une sorte de montagne. Hein, oui. On gravit, on gravit, puis ça retombe. Alors parfois on n'arrive pas à certaines choses. Alors je dirais que... C'était quelque chose qui marche à deux, évidemment, qui, qui mmh. est un échange. Oui, j'ai eu parfois des difficultés avec des étudiants qui m'ont trouvé soit trop exigeante, soit trop, soit pas assez souple vis-à-vis d'eux. Ça a été rare, hein, mais ça m'est arrivé. Et c'est vrai que j'ai essayé, autant que faire se peut, de favoriser le dialogue et de me remettre en question dans la façon d'aborder ces personnes. Évidemment, l'enseignement, c'est toujours, c'est une, enfin, transmettre, c'est une vraie remise en question. Alors, je pars du principe que si on n'y arrive pas, oui. Bon, il est pas, c'est pas tout à fait exact, hein, mais enfin, c'est à relativiser. Bah, c'est toujours de la faute du transmetteur. Mais, mais, bon, peut-être qu'il faut, il faut quand même quelque, euh, quelqu'un de réceptif en face, oui. évidemment. s'il y a un blocage, évidemment. S'il y a un blocage, s'il y a une tension, s'il y a une, si, si la, les personnes sont un peu rétives ou sur la défensive. Mais donc, je, je dirais que c'est quand même toujours au transmetteur de se remettre en question. Vous souvenez-vous, dans ces cas-là, de vos propres enseignants? Oui, mais l'époque a beaucoup changé par exemple. Bah, à, ép à mon époque, euh... C'était raide? C'était. Non, mais je veux dire, on absorbait sans se poser de questions. Oui. <laughs> C'est-à-dire que. Vous remettiez pas en cause. Il y a pas de On, remet remet en cause on remettait de pas du tout en cause. Voilà, exactement. Ah. Alors, je dis pas qu'il y a une revise en cause, mais l'étudiant, maintenant, a beaucoup plus de, comment dire, de, d'exigence aussi. C'est-à-dire, bon, bah, la responsabilité du, de l'enseignant est très, 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 est très grosse. Oui. Parce que c'est vrai que faut quand même penser à l'après. Donc, la presse, c'est que chaque personne, quelles que soient ses capacités, tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes capacités, mais il faut que l'enseignant transporte chaque personne au maximum de ses capacités. Et où avez-vous commencé d'ailleurs à Brest L'enseignement ou l'alto le, L'alto tout simplement. Oui, déjà. à Brest, à Brest, absolument. Conservatoire. Oui. Chez Paul Quenze. Avant. avant. Avant Paul Quenze, un tout petit peu avant, avant qu'il arrive. Le ouais. directeur s'appelait Monsieur Meyer. Je ne sais plus de son prénom. Et oui. vos professeurs oh, Oui, je me rappelle Jacques Vatel qui m'a débuté pendant deux ans et qui était un très bon prof. Après, j'ai eu beaucoup de profs d'alto parce qu'il y a eu une difficulté pour l'école de musique de Brest à fixer ses profs d'alto, donc j'ai dû en avoir euh, six ou sept en six ou sept ans, donc euh, <laughs> voilà. Je me rappelle d'un qui s'appelait Monsieur Ferron. Je me rappelle de, de, des autres, mais ceux qui m'ont marqué, on va dire, c'est plutôt Monsieur Vatel et Monsieur Ferron. Et puis, euh, bah, évidemment, Paul Kuenz qui avait sa dynamique, qui avait son orchestre euh, et qui faisait travailler les grands. Donc, j'ai fait quelques trucs avec Paul Kuenz. Que nous avons eu la joie d'avoir sur cette antenne. Ah, ouais. ah oui, qui est encore, oui, qui est ah, encore oui, qui très, très très toujours. dynamique. Il est toujours très dynamique. Je l'ai eu au téléphone. Je ne sais plus à quelle occasion. Peut-être quand j'étais. Nommé à Lyon, je ne sais plus, il m'a appelé. Je ne sais plus à quelle occasion. Oui, oui, il se rappelait de moi. <laughs> vous avez peut-être des chances de le revoir ici à Paris, où il continue à jouer. Pe peut-être. Peut-être, oui. a-t-il On n'a pas abordé ce sujet-là, mais vous avez parlé d'élèves de pro... de, de, qui veulent devenir enseignants, professeurs mmh. d'autres qui veulent gagner les, les, les orchestres. Et les solistes, là-dedans alors, ben, moi, de toute façon, c'est encore euh, un peu plus rare, ouais, évidemment. Parce vous est... savez, pour devenir soliste, il y a un tas de conjonctures. Il faut être très fort. Il faut réussir peut-être des concours. Il faut rentrer dans un. Il s'agit beaucoup de rencontres aussi. Il faut rentrer dans un réseau. Bon, et à l'alto, euh, le entre guillemets marché des solistes, il est quand même comme comme vous le dites, il n'y a quand même pas. Un répertoire euh, qui est joué en solo euh, oui. énorme, donc il y a cinq, six, maximum 7 solistes euh, dans le monde qui ont cette place. Quoi. Oui. oui, et encore euh, plus quoi. Ou, à, à plus ou moins à divers à différents degrés, âges. À différents degrés oui. aussi, à différents degrés de travail. Mais bon, moi je pars du principe que préparer des concours internationaux, quand on a à peu près la capacité, donc il faut être un peu autonome, je trouve que ça booste les étudiants, ça leur fait voir beaucoup de répertoires en, en ayant une exigence maximale. Donc je pousse à le faire quand même. À <coughs> essayer. Ah oui, oui, à préparer des à choses. Oui. Des concours, Lesquels, par exemple Ben, par exemple, en, en, à l'alto, il y en a plusieurs. Il y a tertis, rostal. Il y a le concours Brahms. Il y a. Ça dépend des années. Hein. Il y a l'ARD, qui est le plus, un des plus gros, mais qui est tous les trois ans, je crois. Et comment se passe une préparation de ces concours-là Déjà, il faut vous les proposer aux étudiants, ou c'est les étudiants qui vous disent, Madame Nery, j'aimerais ben, me présenter. J'en parle à ceux qui peuvent. Il y en a qui ont envie. Il y en a d'autres qui n'ont pas le courage ou qui ont d'autres choses à faire, d'autres projets. justement ils veulent rentrer dans des orchestres, donc ils n'ont pas le temps de tout faire. Euh, bah après ça se passe sur un an, hein. c'est oui. des préparations. C'est ça, mmh. parce que évidemment ce n'est pas, euh, on n'est plus au premier cycle mmh. du conservatoire, c'est-à-dire que on peut imaginer que le métier d'enseignant d'un instrument mmh. au en conservatoire national, c'est à la fois l'élève arrive avec son morceau et on mmh. dé, on décrypte les difficultés pour les dépasser, mmh. mais c'est aussi Comment dire Vous êtes un peu les barres parallèles de la gymnastique qui permettent d'encadrer l'élève pour savoir mmh. lui poser des questions sur ce qu'il veut faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que oui, c'est oui. des gens qui sont assez jeunes quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, ben, ça peut leurs aspirations peuvent évoluer en cours de, au cours de leurs études. Personnellement, j'ai tendance à dire à tout le monde, il faut sortir le plus fort possible. Techniquement, vous voulez dire au fort euh, À tous les abs, niveaux. À des coups, quoi à ah non, euh, ah non, je ne parle pas de ça. Non, non, ça, euh, chacun euh, après dans sa vie reçoit les coups, <laughs> euh, s'il y en a. Quand je bon. parle là, c'est plus euh... une déception un concours. Ah. Ah ben bien sûr de toute façon les échecs construits, les échecs en principe s'ils sont à la base d'une remise en question peuvent être très positifs mmh. et c'est en, en forgeant entre guillemets qu'on devient forgeron donc euh, je, je, non un échec euh, faut le relativiser, faut s'analyser, faut vraiment se regarder en face, s'empoigner, travailler donc c'est pour ça travailler mmh. quand même, pas passer sa scolarité à ne faire que des concours, travailler personnellement de la remise en question de fond, parfois technique quand il y a des choses qui marchent pas et puis Enrichir son répertoire, enrichir son, son univers musical, écouter beaucoup de musique, aller au concert, aller voir des musées, essayer de s'enrichir à tous les niveaux. Ouais. Mais bon, quand il y a des problèmes techniques persistants, il faut à un moment donné poser les choses, s'arrêter, se regarder en face et s'empoigner. Et il faut aussi des, peut-être des, non pas des récompenses, mais des gens qui vous encouragent. Je pense à un mais... message reçu d'une altiste, mmh. Diane Dubon, mmh. Qui m'a dit lorsqu'elle a appris que vous étiez arrivé ici, mm. je suis très heureuse que Françoise Néry soit prochainement nommée au CNSM. Elle est une excellente altiste et une professeure reconnue par l'ensemble de la profession. Bah oh, ben ça, vous savez, on a une très mauvaise image de soi-même. On ne sait pas <laughs> quelle est notre image. C'est un encouragement. Ah ben bon, c'est sûr que j'enseigne depuis des lustres oui. et j'ai fait toutes les strates. C'est-à-dire, j'ai enseigné dans les toutes petites écoles à évry courcouronnes et à Fontainebleau parce que j'ai dû gagner ma vie très vite en sortant du conservatoire et j'ai toujours enseigné. Alors, peut-être, j'ai des gènes. Dans ma famille, ils sont tous enseignants. Pas dans la musique, mais ils sont tous enseignants. Donc, j'ai peut-être le gène de la transmission. J'en sais rien. Mais, euh, c'est vrai que, bah, ça fait tellement longtemps. Donc, j'ai, je pense que quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, j'étais pas très bonne. On se fait sur le, on se fait sur le temps. Et oui. Donc, que dire? Bah, je la remercie. Diane, je la connais. Elle était, elle était au filard de Radio France. Et je la connais bien. Euh... Alors peut-être, ouais. Mais écoutez, ce qui est encourageant, c'est que c'est que je je suis pas, enfin je suis pas quarantenaire ni cinquantenaire. Donc j'y croyais pas trop. Je pensais que j'étais un peu trop âgé. Ah oui. Et en fait, ce que j'ai trouvé euh, très bien, très chouette, c'est ça, c'est que en fait tout est possible. Et donc quand on a envie de quelque chose, faut y aller. Mmh. Il faut absolument y aller. faut tenter. C'est valable aussi pour un étudiant qui voudrait dans un au plus difficile. Pour que... tous. C'est-à-dire qu'il faut tenter dans la mesure de ses capacités, évidemment. Il ne se... faut pas aller au casse-pipe de oui. manière. voilà. Mais il faut tenter, il faut penser que tout est possible. Et surtout, tout est possible bah, si, on... Si, on se... si on se remet en question en permanence. Toujours, voilà. c'est le maître mot. Oui. Ah oui, je trouve oui. que pour un artiste, de toute façon, et pour un enseignant aussi. Alors par exemple, je, je sais que vous avez enregistré les, les... les suites de Bach pour Vioncel mmh. seul, mmh. donc à l'alto. Mmh. Comment voyez-vous... Déjà, première question, à quand cela remonte-t-il oh, Ça remonte à... Alors exactement la date, je ne me rappelle plus. Oh, C'était dans les années 97, je pense, 18. Comment voyez-vous depuis l'évolution dont ces suites sont jouées aujourd'hui on a parlé de baroque, on a parlé d'instruments ouais. anciens. A... Alors, il bah y, y a beaucoup, tout, beaucoup de les d'enregistres En ce moment, il y a de très belles versions, euh, comme toutes les pièces qui sont jouées, 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 rejouées, en, réenregistrées. Bon, il y a une évolution de style. Ah, oui. Je veux dire. ah oui, 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 il y a une évolution de style. Évidemment, le, le baroque est passé par là. Il a amené quand même quelque chose au niveau. Même quand on joue sur instruments modernes, ça a amené quelque chose au niveau de l'articulation, de la diction, de la rythmique des danses qu'on peut tout à fait appliquer. Alors moi, j'avais la chance. J'ai fait de la musique baroque un peu à une époque où peu de modernes en faisaient. Il se trouve que je vivais avec un baroqueux et donc je suis allée écouter des masterclass classes de Sigiswald Kuijken, de Chiara Banchini. J'ai approché ce milieu et j'ai même participé à la fondation de, de l'Orchestre des champs élysées avec Herweg. Ça c'était juste avant que j'arrête. C'était juste après que j'arrête l'opéra. Donc j'étais euh, dans les premières années. Donc j'ai touché à l'alto baroque, j'ai touché au boyau. Et ça m'a beaucoup apporté, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup apporté pour comprendre certaines choses. Euh, la musique c'est la même partout, c'est pas on, on, la musique. Euh, ce qui est important c'est le rythme en fait, le rythme et le, le balancement qu'on donne et l'articulation dans toutes les musiques qu'on traite, je trouve. Mmh. Mais le baroque a permis de revisiter bah, toute la musique de cette époque et même la musique romantique, je trouve, euh, a été revisitée euh, à l'aune de, de, ce, de ces découvertes et de ces recherches qui ont été des pionniers comme Keuken et, et et d'autres. Si on vous proposait de les réenregistrer aujourd'hui, est-ce euh, que vous changeriez quelque chose oh, Oui. Par exemple, l'instrument bon, non, euh, non, parce que j'ai arrêté l'alto baroque puis c'est quand même toute un, une, une adaptation. Le boyau est différent. Enfin bon, bref, j'articulerai encore plus. D'accord. <laughs> je ferai plus d'articulations de, 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 et les tempi aussi, sans doute, je ferai autrement. Ah oui. Ah oui. Vous savez, on... <laughs> Bon, pas, pas tout. Il y a des choses dont oui. que je voilà, mais oui. Alors, j'avais enregistré dans une petite maison avec peu de jours. J'ai enregistré rapidement, ah, oui, donc euh, oui, il y a ça aussi. Donc, oui. Il y a, oui, bien sûr. Les conditions sont pas toujours simples. C'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Je m'étais obligée à toutes les jouer en concert, donc euh, voilà. Donc ah, oui, euh, oui, non, concert. non, je suis contente d'avoir fait ce projet. Ça m'a beaucoup apporté. Et voilà. Alors les auditions aujourd'hui, comment ça se passe les auditions d'élèves ici au consultant J'imagine ah. oh, bah... que c'est public à ce niveau-là, ça peut être public Oui, enfin c'est public, mais on a pas de... enfin, pour les auditions pas... c'est un peu public. Il ne peut pas y avoir beaucoup de monde dans les non, salles. Non, 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 non. Alors moi j'essaie d'organiser des cours communs beaucoup, ah, oui. des fois sans piano, des fois avec piano, à peu près tous les 15 jours j'essaie. Et donc là euh, bah, les auditions, on peut en faire une par trimestre. Hmm. Alors après, vais... peut-être qu'après j'essaierai d'organiser des événements ailleurs. Mais ça, c'est pas simple parce que tous les étudiants sont très occupés. Oui. Donc, ah c'est oui. un peu, voilà, c'est la difficulté. Mais je, je, je sais pas, je, là pour le moment, l'équilibre a l'air pas mal. Voilà, je ferai un petit bilan à la fin de l'année avec tout le monde. Je leur demanderai qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont envie de, de faire différemment ou mieux. Enfin, je, voilà. Je, je trouve important de, de, faire ça. Aux États-Unis, je crois, et au Canada, il y a toujours euh, une sorte de mise en perspective de ce que pensent les étudiants de leur enseignement. Et je trouve pas ça si mal, en fait. Alors, du coup, moi, je, à Lyon, j'avais essayé de temps en temps de, de discuter en groupe, je ne l'ai pas fait chaque année parce qu'après le temps, mais de qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, qu'est-ce qu'on pouvait. Avez-vous voilà. été surprise parfois Non. Non. Vous attendiez Non, la... bah je sais bien quelles sont les faiblesses, je sais bien qu'elles sont, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, des choses qu'on ne peut pas améliorer, de fait, des choses de planning, des choses de, voilà, on fait ce qu'on peut, ouais. mais non, non, je, je... mais j'ai quand même, sur la façon de travailler, par exemple, certains étudiants, euh, je me rappelle, m'avaient demandé des choses précises, de faire un petit peu autrement, donc j'ai essayé d'écouter, euh, je, et je, voilà. <laughs> en gros, <laughs> y a-t-il encore beaucoup de place ici euh, au, conservatoire, au Conservatoire national pour de la pure technique ah. Est-ce qu'il faut en reprendre parfois Avec des élèves qui arrivent par exemple de l'étranger, on se dit, tiens, ils, ils... vous découvrez peut-être aussi des manières d'enseigner oui, oui. à l'étranger qui peuvent vous surprendre mmh. aujourd'hui. Euh, bon ça euh, me surprendre non ben reprendre de la technique oui c'est ça dépend ça, ça dépend de chacun après on est quand même là alors le temps manque parfois pour faire euh, quand il y a vraiment alors c'est rare qu'il y ait vraiment des choses à, à, à remettre parce que le niveau de sélection est quand même assez haut mmh. mais euh, dans les premières années oui j'insiste quand tu sens des fragilités je prends le temps on prend le temps de, de reconstruire des choses oui et pour la langue, par en... ah, pour... vous, avez, vous, avez, vous avez un, un élève russe. Oui. Comment comme... parle-t-il français Alors, il y, y a des niveaux de langue exigés. Hein. Je ne sais ah. plus à l'entrée, puis après, au bout d'un certain temps, je ne sais plus exactement. Je ne peux pas vraiment... voir. Alors, au début, euh, oui, il parle français parce qu'il est en France depuis un petit moment. Mais parfois, on se comprenait pas toujours quand même. Il n'a pas forcément toutes les subtilités. Donc, euh, j'ai mis un tout petit moment à me rendre compte qu'il ne comprenait pas forcément bien tout. Et donc, là, on commence euh, au bout de quatre mois. Je pense qu'on a trouvé un, un terrain de compréhension mutuelle et que voilà les choses se font ça chemine donc ça chemine absolument ah, je... sait-il déjà vers quoi il aspire euh, il a une idée <laughs> oui oui il a une idée qui est un peu qui est un peu... non qui est un peu particulière ah. que j'ai un jour je lui ai demandé ce qu'il voulait faire il m'a dit ça dépend du public <laughs> de là où il jouera hein. Oui. Ça dépend de si le public, en fait, si j'ai compris, si le public aime ce que je fais, je, je serais peut-être soliste ou je serais peut-être. Euh, j'ai compris ça. C'est une belle réponse. C'est à... assez surprenant. Ce pas oui, c'est surprenant. Faire, hein. Non, c'est assez. En fait, il a un univers un peu particulier. Il est assez riche intérieurement. Il a du chemin à faire quand même pour devenir soliste, mais je pense que c'est son, c'est son ambition. D'où vient-il en Russie, vous savez Saint-Pétersbourg. Il a commencé, je crois. Et mmh. quels sont les liens justement, euh, ce que vous vous retrouvez entre professeurs à, mmh. à, à parler de vos élèves, euh, peut-être des difficultés que vous rencontrez, vous ou... voulez dire au sein de l'établissement, au sein de l'établissement. Oh ben, oui, pas forcément avec les profs euh, d'alto d'ailleurs, ça peut Mais être. Non, avec... oui. oh, oh ben, bien sûr, on discute entre profs, entre copains, comme on, mmh. quand on a des. Oui, oui, ça peut tout à fait. Mais déjà avec les assistants, on discute de ça. Donc euh, j'ai deux assistants, Emmanuel, François et euh, Grégoire Vecchioni, qui sont d'anciens étudiants à moi et qui sont de brillants altistes. Du coup, déjà avec eux, on essaie de discuter un peu de, de ce qu'on voit de nos étudiants. Puis moi, j'ai bon avec tous mes copains ou copines enseignants, évidemment, je discute. Hmm? Alors, puisque nous arrivons malheureusement au terme mmh. de cet échange, mmh. mmh. dernière question peut-être pour les altistes qui nous écouteront. S'il fallait faire un choix, que choisiriez-vous entre schradiek Galamian, flèche ou Sefcik Galamian, j'aime bien. Pourquoi Bah, j'ai relu. J'avais lu à 18 ans Enseignement et technique du violon, mmh. et je, je l'avais oublié, ça. Je, je l'ai laissé un peu dans ma voilà. Et puis je suis revenu dessus bien plus tard, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait imprégné dans ma dans ma façon d'enseigner. Euh... Pour les doigts aussi. Oui, pour la liberté pour le, le pas trop d'efforts euh, voilà après je me suis j'ai eu j'ai eu la chance de rencontrer assez tardivement des grands musiciens et grands pédagogues comme Yannos Starker ou georgie Shebok qui ont changé ma perception des choses alors les écoles les écoles on dit franco-belge euh, russe enfin ben, je trouve mmh. que tout c'est un peu globalisé mais il reste à l'alto à l'alto il y a quand même plusieurs esthétiques sonores je trouve oui. il y a une esthétique euh, qui vient un, un peu des Russes avec une sorte de grain de son extrêmement expressif dans le vibrato. Et il y a une autre esthétique qui est remarquable aussi, qui est dans la, la liberté, la résonance. Je pense à Tabea Zimmerman, qui ah a oui. quelque chose, une sorte ah de, oui. de grande. Mais c'est pas la, tout à fait la même esthétique de son. Donc, euh, moi moi je trouve qu'il faut essayer de savoir faire tout si on peut après chacun à chacun faut savoir ce qu'on aime et aller chercher moi ce que je sais d'enseigner au travers de la technique c'est pas de la technique pure c'est trouver de la liberté la liberté rythmique c'est-à-dire le détachement de, du, du cerveau entre guillemets oui. plus avoir de problèmes de, de contrôle technique pour être vraiment dans le langage musical dans l'improvisation sur scène et dans la rythme. le rythme pour moi est la chose essentielle la liberté rythmique c'est la chose essentielle dans la musique pour moi c'est ce qui fait les, le, le centre du discours vient de ça, la gestion du rythme. Devez-vous, en tant qu'enseignante, détacher peut-être la perception de vos élèves ou l'idée qu'un élève peut avoir justement de, de coller au son de tel ou tel musicien qu'il a entendu pour qu'il exprime sa propre personnalité oui, alors une, une personnalité musicale se fait de, de, de nos rencontres, de ce qu'on aime, de ce qu'on observe. Alors on a une chance folle, c'est d'avoir YouTube, on voit quand même de très très grands instrumentistes, des vieux, des jeunes, des nouveaux, des actuels, de près, on voit leur façon de faire, donc il faut développer son goût et savoir ce qu'on aime, ça c'est sûr. Il faut développer son esprit critique, on n'est pas obligé de tout aimer, et on n'est pas obligé non plus de tout détester, enfin il faut avoir un esprit critique, euh, enfin sensible, on va dire, et qu'on essaie de rapporter à soi, et ça, ça peut nous donner un idéal à atteindre. Bon, après, euh, le son, le son de chacun est unique à chacun. Là, c'est là, mais il faut avoir les outils pour le sortir. Mm -hmm. C'est-à-dire que arrive à sortir son vrai son. Ben, demande des outils, des outils techniques, des outils de liberté en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour euh, la suite de cette scolarité si j'ose dire ici à Paris Eh bien me souhaiter euh, une bonne relation vraiment avec de, tous ces jeunes étudiants qui sont quand même passionnants, qui sont d'une... Euh, qui sont qui ont une belle énergie, qui sont pour moi c'est très nourrissant en, en tant que ce contact avec les jeunes musiciens. Qui sont Parce, endurants si on n'apprend pas un instrument comme ça par. Non, c'est hein. c'est une grosse exigence donc euh, et, sur, et, et de nos jours pour vraiment se lancer dans ce métier qui c'est un peu rétréci, il faut vraiment la foi, il faut vraiment avoir le feu sacré si je puis dire. Voilà, je je me souhaite d'avoir beaucoup d'étudiants qui ont le feu sacré. Merci, vous <laughs> Merci à vous.